vous regardez ETV. Bien-être, beauté, sport, mode, mais aussi technologie. Le Salon Madame a réuni ce week-end des stands, des conférences et des ateliers pour le bonheur de ces dames. Oser, innover et entreprendre étaient les mots-clés pour un salon dédié à la femme connectée. Beaucoup de femmes connectées au digital, de femmes connectées à son environnement, de femmes connectées à son intimité, à sa féminité également. Et donc j'ai pensé qu'effectivement cette thématique arrivait à point nommé. Un avis que partagent également les visiteuses du salon. Alors j'ai essayé de participer parce qu'en fait je suis très sur les réseaux sociaux, je suis entrepreneuse. Donc du coup j'utilise les réseaux sociaux tels qu'Instagram, Facebook pour pouvoir développer mon business. Oui, je suis une femme connectée. Effectivement, j'ai un Instagram où je parle de mon handicap, j'ai un Facebook. Et j'ai offert à ma fille un smartphone pour que justement nous puissions rester connectés du fait qu'elle est au collège. L'occasion pour Fatou Ndiaye, blogueuse et marraine de l'événement, de partager son expérience en matière d'image digitale. C'est un événement qui est dédié autour de la féminité, des femmes, tout ce qui est beauté, mode, estime de soi, entrepreneuriat. C'est un atelier et en fait on va échanger sur tout ce qui est image sur les réseaux sociaux, le branding et voilà, c'est vraiment comment entretenir son image sur les réseaux sociaux. Au-delà de la technologie, les ateliers Relooking et Walk Like a Lady ont eu, comme toujours, un franc succès.